Hey guys, un autre projet, Ficus Fusion. Donc, ça ressemble beaucoup à l'autre que j'ai fait. Toujours le même principe, plusieurs boutures ensemble. On laisse pousser ensemble, on rattache ça. On prend les branches, on attache ça ensemble, puis on laisse fusionner ça. Donc, ici aussi, on est rendu à tailler. Cette partie-là n'est pas finie de fusionner. Plusieurs le sont. Il y a des branches encore qui ne le sont pas. La partie ici encore. Donc, je vais laisser les ligatures ici et ceux-là encore là. Je vais défaire peut-être celle-là. Oui, non. Je vais la laisser encore parce que j'ai des quelques troncs ici que je vois qui ne sont pas fusionnés comme il faut. Donc, on va tailler, on va replier. Quelques petits haubans, redescendre mes paliers, tailler ça, rapetisser à peu près cette hauteur-là, petit triangle, comme ça, à peu près. Puis, on va laisser aller encore, l'année prochaine, même affaire, on laisse toute une saison aller. On reprend les petits, je vais reprendre les petites branches comme ça ici, dans le bas. Je vais les reprendre, puis je vais les laisser pousser à l'intérieur. Donc, de cette manière-là, on va venir remplir les trous tranquillement, pas vite. Ces branches-là vont pousser. Ils vont continuer à fusionner avec le reste. On va juste les transférer un petit peu, les pousser dans les craques un peu partout, puis c'est tout. Donc, je vais trimer ça avec vous autres en hyperlapse. Donc, je fais ça. Salut! Bon, voici le projet final. Une petite trame, quelques haubans. Donc, comme vous pouvez voir, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, c'est intéressant. On va avoir une belle grosse base solide. On commence à avoir déjà nos paliers formés. Donc, il manque encore ici, comme j'expliquais, la fusion n'est pas complète, ni ici. Donc, on les laisse aller. J'ai descendu les branches. Bien attaché au pot. On va laisser ça descendre tranquillement. Ça va figer. Puis éventuellement, ben, ça va tout se ramifier graduellement. Donc encore, c'est un long projet, mais ça vaut la peine pour avoir des grosses bases de même. Acheter des arbres comme ça ou les importer, vous savez, ça coûte cher. Donc, quelques boutures, tu mets ça ensemble. Tu attends qu'une coupe d'année. Tu tailles une fois par saison à fin de l'été comme ça. Puis regardez. Ça fait la troisième saison, je me trompe pas. Donc, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est intéressant. Donc, éventuellement, on va avoir un arbre qui va avoir l'impression d'avoir 30-40 ans en pot. Parce qu'un arbre, un ficus en pleine terre, ça va très très vite. Quand on va dans les pays tropicaux, là, puis qu'il laisse ça pousser, ben ça va vraiment vite. Mais nous, en pot, après 35 ans, si on les laisse aller juste tailler avec le forme originale, tu vas avoir un tronc qui va être un peu plus petit que ça, peut-être. J'en ai qui ont toujours vécu en pot, donc c'est ça, qui ont à peu près 35-40 ans comme ça. Donc ça, c'est pas pire. 3 ans, on atteint quand même une belle grosseur. Si on laisse encore 4-5 ans grossir, tailler tranquillement, ben, en l'espace de moins de 10 ans, on va avoir un super gros arbre qui va avoir l'impression d'avoir 35-40 ans. Donc, projet Ficus, on passe au prochain. Commentaire. Je réponds à toutes les questions. Salut!